Yo bande de Roger, bienvenue dans mon placard Steam, ou Uplay ou Origin, c'est juste que Steam c'est plus court, vous m'aurez compris. Et aujourd'hui on se retrouve dans un petit jeu comme ça, un petit jeu pas très connu, le studio qui s'appelle Ubisoft, je sais pas si vous connaissez, c'est français. Et donc on va prendre ma première partie, enfin ma première partie où j'ai fini le jeu, histoire d'avoir un stuff un peu conséquent. Et donc je vais vous présenter ce jeu qui fait partie de ma bibliothèque Steam, d'ailleurs qui passe avant Alpha Prime alphabétiquement. Donc ce sera pas forcément exactement dans l'ordre alphabétique ce concept, ce sera pas exactement non plus... comment ça s'appelle? Ce sera pas exactement tous les jeux qui seront présentés, parce qu'il y en a qui sont des free-to-play, et il y en a qui sont... oula. Et il y en a qui sont... Attendez. Il y en a que j'ai déjà présenté. Donc vous irez voir sur la chaîne si ça vous intéresse. Je vais régler un peu les graphismes. Ah pourtant c'est déjà en... Ok. Alors je joue en 720. Parce que je sais pas pourquoi, mais mon ordi ne fait pas tourner le jeu en 1080 assez nettement. C'est pas du tout fluide. Comment là c'est fluide? C'est joli en plus de ça. Enfin, je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je le trouve assez joli, même si c'est un peu pixelisé. Donc vous n'aurez pas de Full HD sur cette vidéo. Et ce sera en 30 FPS. Voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Donc voici avec notre petit... bah d'ailleurs, je sais plus, même plus son nom, tellement ça fait longtemps que j'ai pas joué. Edward Connor. Père et grand-père... Enfin, père de Aitam... Hein, qu'est-ce qu'il dit? Bah, si tu veux, je m'en bats les couilles, mais... Combien? Allez, j'achète. Donc on va se balader un peu sur les mers de cet open world assez énorme, au sens grand. Assez controversé. Assez controversé. Par son gameplay... et ses graphismes, hein. Je crois qu'il y a des gens qui se plaignaient aussi, mais... mais voilà. Je trouve quand même que c'est un jeu sympa qui sort un peu de l'ordinaire si on le prend comme un jeu banal. On retrouve quand même un peu l'histoire d'Assassin's Creed qui encore s'étend et se mystifie. Donc pour ceux qui suivent les Assassin's Creed et qui sont pas restés en vue des merde, comment on fait pour regarder la carte qu'on a? Bon, je sais plus. Ouais, désolé, encore une petite coupure. Alors, ouais, t'es où? Oui, donc après la branche d'Esmond qui comprenait le 1 jusqu'au 3 et ce inclus, on a comment ça s'appelle? L'axe plutôt américain. Alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va aller attaquer... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va aller attaquer cette espèce de convoi naval. Non, tais-toi, je parle. Voilà. Donc oui, et donc l'axe américain, plutôt, comme ils vendent la boîte. Hein. Alors, observez le chasseur. Bon, ben on va avoir un peu de fight. Je sais plus du tout comment on se sert du jeu. Alors, je crois que ça marche comme ça. Ok, nul. Je vois rien. Ok, alors il va falloir se remettre dans le gameplay. Hein. Boule explosif! Là, on va lui faire des dégâts. Alors. Bon, ça, il me suit pas. Non, mais il y en a deux en plus. Est-ce que vous êtes juste sérieux? Il a tiré? Ok. On s'est pris un... Ah oui, on s'est pris un... Donc. Je
Oui, bah, je veux bien, mais on s'est pris une île là. Est-ce que. Va-t-on mourir dès le début de la vidéo? Peut-être bien, hein. En plus, j'ai enlevé tous les HUD, donc. Ça se trouve, j'ai plus de vie là. Je pense qu'on va le prendre d'abordage, ça nous. D'ailleurs, grosse incohérence. Ah non, non, d'accord, il a coulé son pote, le mec. Non, je peux encore le prendre ou pas? Non, ouais, je peux encore aborder. Bon, on va faire ça. C'est un des. Je vous montre déjà deux phases de gameplay intéressantes. Donc, ouais, grosse incohérence du jeu. Vous prenez un bateau, l'autre ne vous attaque plus. Attendez, alors là, j'ai du gros freeze. Je sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être parce que je filme. Bon bah, on va faciliter le travail, alors. Voilà. Voilà. C'est parti! Bon, désolé, si la qualité est pas énorme, vous saurez pourquoi. Oula. Alors attendez, j'ai quoi comme arme déjà? J'ai complètement zappé. Je sais plus comment on joue. Ah, je joue à la main en plus, moi. Oh, c'est assez stylé en fait. Moi, je me bats à la main. Je suis un psychopathe. Merde. Donc, le jeu est très gourmand. Hein. Surtout que je crois que j'ai monté pas mal les graphismes, même en 720, c'est assez haut. Donc on sera pas tout le temps à 30 FPS, vous êtes prévenus. Alors, je veux réparer le navire. Voilà. Et on va défoncer l'autre au passage. Pu. Voilà, pu. Bonjour. Ce serait pour une visite médicale. Merde, oula oula. D'accord, heureusement il y avait la vague. Je sais pas pourquoi, mais ce jeu. Enfin, si je sais pourquoi, mais. Ce jeu me rappelle Zelda Wind Waker en fait. Même s'il n'y a pas vraiment de combat de canon et tout, c'est. Non, non. Je suis mal tiré. C'est juste à cause des. À cause du voyage comme ça sur la mer. Oh, tu sais quoi, j'ai même pas envie de l'aborder. Voilà. On t'a tout cassé. Sans déconner. Je le coule un peu plus, on sait jamais. Alors, donc j'en étais où? Ça fait déjà 5 minutes qu'on joue. Je pense que je vais vous faire un petit accéléré le temps d'arriver à l'espèce de régate que j'avais choisi. Ça peut être bien en plus. Bon alors sans la musique du coup parce que sinon voilà. Donc là ça je vais l'accélérer, je vais essayer. Je vais essayer de prendre voilà une espèce de posture qui est pas mal et à partir de maintenant ça va aller vite. Ouais, j'enlève la musique et ça va vite. Merde, j'ai dit j'enlève.
Attention, zone interdite. Oula. Bon, bah ça reste de chauffer. Je remets un petit coup d'accéléré jusqu'à ce qu'on arrive. Les navires sont en vue. On va bientôt leur botter le cul. Alors, c'est parti. On va leur envoyer le comité d'accueil. Déjà, on va virer la piétaille. Oula. Et voilà, on l'a défoncé. Et on le prend d'abordage. Alors toi... Merde. Voilà. Lui c'est fait. Lui aussi. Merde, petit robot. Ah mince. C'est pas grave. Est-ce que ça passe? Non, c'est un peu loin quand même. Ouais. Bien ce qui me semblait. Monte. On va quand même utiliser des armes, hein. Oula. Attendez, j'essaye de voir les armes que j'ai, s'il vous plaît. Non. Alors. Voilà, les épées. Oula, ça bug un peu là. Au niveau animation, c'est pas le mieux. Mais moi, je comprends pas ce qui se passe là. Ça y est. C'est un peu le défaut de ce jeu, c'est que le combat a pas été amélioré et même peut-être, ouais, même sûrement, sûr et certainement, bah, il a été désagrégé quoi. Et des fois, il manque des sons, les animations sont pas clean. C'est vrai qu'ils sont plus. D'accord, Thug Life. J'ai l'achievement Thug Life. Ok. Je vais juste de regarder de quoi il s'agit quand même. Alors. Parce que Thug Life, enfin voilà quoi. C'est quand même quelque chose. Ah, d'accord, ok. Ah, j'en ai eu que 30? D'accord, bah, j'ai pas dû jouer beaucoup, beaucoup. Hein. Toi, tu me fais de la peine par contre. Voilà. Alors. On va reculer un peu et on va se balader un peu sur les. Sur les maps. Par exemple, à Nassau, hein, qui est une ville assez connue. Oula, j'entends des gens dehors qui gueulent. Avec cette armure, hein, l'armure du. L'armure que vous débloquez quand vous avez tous les trucs Maya. Quête secondaire. Et je vais vous montrer les armures que j'ai. Enfin, les armures. Les tenues plutôt. Oula, le bateau qui a complété. Oh! What the bug! Ça, c'est magnifique ça. D'ailleurs, j'ai un petit bug. J'ai une séquence bonus. Si vous allez à la fin, où j'ai filmé à un moment où je. Je jouais, j'ai refait le solo et que en fait il y a eu un gros gros bug quoi. Alors on va se rendre vers. Alors je sais plus où on achète les tenues. Il me semblait que c'était bah, là-dedans en principe, hein, je crois. Hein. Alors voilà, on va acheter un petit coup d'œil. Ouais, à la fin on attaquera un fort, je pense. L'ambiance de ce jeu est quand même assez sympa, hein, c'est stylé. Alors, ensemble d'épées, qu'est-ce que j'ai moi? Rapière d'officier. Bon, je crois que c'est le mieux. Hein.
Pistolet. Ouais. Munitions. Ouais. Ah, la tenue. Alors, cape brune. Je lisais pas ces tenues. C'est bizarre ça. J'ai la tenue de corsaire. Ah, la tenue d'Altaïr, elle est stylée celle-là. Le Captain Drake. La tenue Maya. L'armure du Templier qui est aussi stylée. La tenue d'explorateur. La tenue d'Edward Kenway. Donc ça, je les ai pas celle-là. D'accord, je savais pas. Tenue marchand, je trouve pas super jolie. Tenue d'homme politique. On va mettre. Ça, elle est pas énorme, énorme. Je vais mettre, même si ça a aucun rapport, je vais mettre la tenue d'Altaïr. Effectivement, ça n'a rien à voir, mais je trouve ça stylé. Je trouve que revoir sa tenue dans ce jeu est assez stylé. Surtout qu'il garde tout le temps sa capuche, du tout. Voilà, c'est stylé quand même. Faut avouer, cette série a du style. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit. On va peut-être faire des quêtes qui sont dans la ville. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les parchemins, les manuscrits. Enfin, les. Oui. Il y a les petites musiques. Ah non, les fragments d'animus, ouais, c'est vrai. Point d'observation. Allez, on va se faire un point d'observation. Ah ouais, non, mais ça là, je l'ai déjà fait. Crocodile américain, les petits coffres et tout. Ah, contrat d'assassin. Voilà, ça c'est une idée, ça. Bon, je suis à la fin du jeu, hein, donc techniquement, si vous voyez des choses bizarres, c'est normal, hein. Je sais pas si ça a changé quelque chose, mais voilà. Bon, je les ai pas trop fait les contrats d'assassin durant le jeu, parce que j'avais un peu la flemme. J'ai jamais joué au multi, je sais pas si je vous ferai une vidéo dessus. Alors, que faut-il faire? Les hors-la-loi. Où est-ce que ça se passe? Ah, c'est dans la ville! Nickel! Parce que des fois, vous avez des contrats d'assassins qui sont en dehors et c'est assez chiant, faut l'avouer. Ce jeu est quand même sympa. Hein. On aura beau dire ce qu'on voudra, je le trouve quand même. Que ce soit l'ambiance, même les graphismes, hein, ils sont pas mauvais, c'est juste qu'ils bouffent tellement de trucs. Non, non, ils ont bossé, mais c'est pas ça le problème, c'est que. Je sais pas. Après, c'est moi peut-être qui dis vague hein, et qui dis de la merde, mais il me semblait qu'il était assez controversé. Alors, toi, t'es un méchant. Comment on va s'en sortir? Il y en a un là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des soporifiques, des cartes au trésor, fumigène, des dagues à cordes. C'est vrai qu'on a les dagues à cordes aussi dans celui-là vers la fin. Bah, on va endormir lui. Et on va monter. Bon, aujourd'hui est un jour mouvementé, désolé, j'ai encore dû faire une coupure. Merde. Voilà. Bon. Ah, il est là. Alors, comment je vais faire ça? J'ai quoi en option? Je pourrais mettre un bon vieux coup de pistolet. Oh, un lancer de couteau en plus, il m'en reste que un. Quoique non, c'est pas très épique. Bon, à l'ancienne. Discrétion en plus. Sachant que je suis pas quelqu'un qui est très discret d'habitude. Ah merde, il m'a vu. Non, il m'a vu. Bon, c'est tous les tuer. Ah merde. Je crois qu'on va tous les faire, ça nous fera un peu d'exercice. On va
se mettre en mode ninja. Alors ça fait partie des bugs, hein. Vous voyez, on voit l'arme dépasser, mais le mec, on sait pas où il est. Il a complètement bugué. Oh, je vais essayer de le dague accorder. Ah bah non. Ok. Je suis appuyé sur la mauvaise touche. Alors. Tu m'embêtes un peu, j'aurais bien voulu te... Non, tu m'as pas vu. Apprends à faire des faceplants avec la dague à cordes. Voilà. Encore du combat? Ouais. Ouh. Voilà, par exemple, là, le son, il est pas génial, quoi. Ah oui, ils sont chiants. Je crois qu'on peut que les contrer. Ouais, eux, on peut que les contrer. De rien. Allez, go. On y va, les gamins. On reprend le bateau. Je vais juste faire une blague à ces gentils monsieur. Blagounette! Oula. Le mec, c'est un gamin, il fait peur aux gardes et tout. Alors, mon bateau, il est là. Quel messager? J'ai pas vu le messager. Bon, on va quand même reprendre une tenue de pirate, hein, vu qu'on va s'en aller. Histoire de... Ouais. Ouais, on va reprendre une tenue de pirate. Oula. Oui, l'Assassin's Creed, les gens montent sur les portes. Ils ne n'ouvrent pas la porte. C'est assez typique. Bon, de toute façon, vu que je vais pas retoucher au jeu, je vais peut-être acheter une... Je vais acheter la tenue du capitaine pirate. Pour voir si elle est stylée. Alors, est-ce qu'elle est équipée? On y va. Je vais voir ce que ça donne. Pourtant, il me semblait... Ça va, elle a du style, hein. Elle a du style. Elle a du style. Allez, on se casse. Sur ce, on y va. Tiens, la lune était là il y a 2 minutes. Parti. Tout va bien. Si le jeu vous paraît un peu sombre, je crois que c'est... Et je monte le contraste. Oula, je crois que l'enregistrement a buggé. Je vais faire un petit tour quand même. Effectivement, il y a eu un petit bug. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on passe une porte, il y a un problème. Est-ce que c'est ça? Non, c'est bon. Allez, on y va. C'est parti. Bon, il y aura des petits bugs dans cette vidéo, j'ai remarqué. Et le jeu, je sais pas. Pour tout dire, ça me l'a pas déjà fait, mais... Enfin, ça me l'a déjà fait, je veux dire, plutôt. Oh non, il y a un chasseur en plus. Bah, on va essayer d'esquiver. Ouais, mais il fonce droit dessus aussi. Ouais. Ah oui, non, c'était la cargaison, d'accord.
Bon, je vais me faire le chasseur d'abord. Et le record a encore buggé. Bon, petite pause. Pourquoi le record bug? C'est quoi ces conneries? Je sais pas à quoi c'est dû, mais on va plus y toucher. Oula, il est costaud celui-là. Le mortier et tout. Je pense que la vidéo va bugger là en ce moment. Je crois que j'ai compris pourquoi, mais cette vidéo va finir peut-être buggée, mais ah, au moins il fait jour. Enfin, je me suis compris. Tac, tac, tac. Ne cassez pas mon navire. Non, ils m'ont cassé. Ils m'ont cassé. Je suis sûr que ça a complètement buggé le record là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs. Ouais, il bug, il se fragmente et tout. Bon, cette fois on y va. C'est parti. Oula. Il va pas être facile. C'est pas adapté ce que tu dis, marin. Alors. Un peu de concentration. On a tout cassé. Tiens, alors toi, tu vas manger, toi. Non, ils ne font pas voile, marin. Ils sont déjà à terre. Tu ne comprends pas. Oh, les trucs qui partent dans le ciel et tout. Ça doit être une époque de fou, ça. Hein. Putain, la vidéo doit avoir encore buggé, ça m'énerve. Pire, vous aurez pas cette partie. Voilà, petite coupure encore, désolé des coupures, mais bon, c'est obligé. Si je veux faire un truc à peu près pas trop mal. Bon, malheureusement, c'est bien ce qui me semblait, hein, ça va être buggé. Donc ne vous étonnez pas, hein, ce n'est pas votre YouTube, c'est mon logiciel. Et c'est normal, malheureusement. Hop, peut-être si je fais start, est-ce que ça débloque? Non. Au pire, vous aurez du commentaire audio, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est dommage, je suis un peu déçu. Et du schmoll. What? Je brûle là? Arrêtez, je veux pas brûler. Je vais mourir. Cruel, c'est pas bien d'être cruel. Je dis c'est pas bien, mais ça c'est encore plus cruel en fait. Ouais. Ah. Oh là là. C'est dommage que cette vidéo soit buggée. Je suis un peu triste. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Faudrait que je trouve pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, voilà. On va clore cette vidéo là-dessus. Sur ce moment qui ne doit pas bugger en principe. Si là il vient de bugger. C'est pas grave, peut-être. Hein. J'essaye de voir à peu près quand ça bug, mais. On va s'arrêter là. Sur ce, je vais vous dire à plus dans la sombrité. Et bonne journée. Si j'appuie sur le bon bouton, c'est mieux. Bonne journée.